derrière moi, il y a des médias qui ont envahi les cours des voisins ici à Encino, devant la maison des Jackson, parce qu'on a besoin de courant, évidemment, et on a besoin aussi d'endroits pour se rafraîchir. Ces gros camions ici permettent de pouvoir aussi diffuser en direct les topos des reporters. On a voulu tenter d'avoir des commentaires des autres journalistes qui sont ici depuis plusieurs jours à attendre que la famille des Jackson fasse une apparition ou un point de presse improvisé. Et ça a été plutôt difficile de convaincre les médias de nous parler puisqu'ils ont des règles de ne pas parler aux autres médias. Dans le travail des médias ici à Encino, on a rencontré des journalistes. What media are you working for? I'm with the Associated Press, and I'm on the television side of things. So I work for our online video service, and I work for the APTN side of the Associated Press. And what are you doing here in Encino? We're outside the Jackson family compound because everybody wants to get the shot of. They just want to get the shot if the family comes out. I mean, that's the pictures people want to see. And you know, I mean, it's a waiting game. You know, you have to maintain your space and keep somebody's backside in a chair and just make sure they're standing guard. It's that simple, but it's also extremely time consuming. And I guess it's very hard also because it's very hot outside. Yeah, it's hot outside. I mean, that's why everybody, most people have canopies because you'd wilt underneath this sun, especially, I mean, considering how pale I am. Yeah, it wouldn't be a good deal. Thank you very much for your time. No problem. Thanks. Depuis le 25 juin dernier, le déploiement de la police ici à Encino est assez impressionnant. D'ailleurs, juste derrière moi, il y a un poste de commandement du département de la police de Los Angeles. Il y a aussi beaucoup d'agents de circulation qui tentent de limiter, évidemment, les voitures qui passent sur la rue Evanhurst pour éviter les incidents. D'ailleurs, il y a un journaliste cette semaine qui a été écrasé, qui s'est fait écraser le pied par une voiture qui est passée très rapidement sur la rue. Donc, on essaie de limiter ce genre de risque ici à Encino.